Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on reprend, on s'est arrêté la dernière fois. Ça veut dire qu'on venait de perdre contre le Saint-Empire qui venait de récupérer Grand, mais qu'en contrepartie, on a récupéré beaucoup de nos comtés, le territoire qu'on avait volé à certains comtés. Et c'est reparti, hein. Donc là, je pourrais lui déclarer la guerre quand. Je suis plus en paix avec lui. Je suis interpellé, j'ai plus de trêve apparemment. Donc se dire que je peux lui déclarer la guerre. Bon bah parfait. Voilà. On va revendiquer comme il était prévu mon duché. Hein. Et comme ça, je vais tenter en fait petit à petit à récupérer, à remettre en fait un peu tous les duchés sous le mien, sous mon autorité. Ce qui au final me permettra. Ah bon? Je suis dans... ignorer. Je fais partie du Saint-Empire, j'étais pas au courant de cette histoire. Je fais partie du Saint-Empire, depuis quand? Depuis que j'ai récupéré Saint-Oise, non? Depuis quand? Ah, là c'est bizarre cette histoire, je suis électeur dans Saint-Empire. Je sais, c'est ça que je voulais. Voilà, troisième point. Bon, en tout cas, il y a un truc qui se passe très bien, c'est qu'on prend très vite les villes. Donc voilà. J'ai beau avoir perdu une petite bataille, je récupère déjà rapidement le contrôle du lieu. Alors, mes vassaux, j'avais pas regardé ça dans la vidéo précédente, donc opinion. Donc à part lui, parce que je vais piquer le bordel. Donc, on m'en veut pas trop, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc tant pis. Hein. Ah, on dirait que l'Aquitaine en joue après son indépendance, on dirait bien. Donc moi ça m'arrange. Toutes ces petites guerres d'indépendance, moi ça m'arrange personnellement. Mais pourquoi qu'il y a encore une guerre contre le Kaiser là? Brême. D'accord, alors. Ur se refont à guerre, d'accord. Bon bah très bien. Hein. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont pu se déclarer à guerre aussi vite en quelques secondes là. Donc ça va très vite finir ça. Donjon. Le château, bon, on va faire les écuries. Faut bien commencer à les améliorer, faut pas mentir. Hein. Voilà. La ville a quasiment pas beaucoup de troupes, donc on peut forcer. Et on peut forcer la paix. Très bien, voilà. Ce qui est bien au moins, c'est que le royaume de France, dans ces histoires-là, c'est qu'en fait, ça grandit petit à petit et je récupère de plus en plus d'autorité sur le royaume de France. J'ai peut-être quand même à l'aider. Ça fait 2000. Ah, il m'a mis la tête des troupes. Bon, je vais pas élever Lost. Parce que je vois qu'il va s'en sortir sans moi. Hein. D'accord. Ah, il veut la guerre, Haute, hein. Je vais pas mentir, mais il veut vraiment la guerre. D'autre côté, on constate aussi que Saint-Empire a des petites rébellions un peu partout, vous voyez, Verdon, l'Italie, tout ça, c'est un peu en Italie qu'il y a le bordel.
Nous, on s'en occupe pas, étant donné que c'est pas pour nous, hein. On a déjà suffisamment de problèmes comme ça, hein, donc on va éviter Royaume d'Aquitaine. Ouais, je pourrais fabriquer dans l'occasion quand même sur Paris, je pense. Ouais. Trésorier 18 Vendôme, hop, c'est mon nouveau. Ici, il n'y a pas mieux. Ici, 17, t'es le nouveau. J'ai récupéré déjà Anjou quand même, c'est un comté voisin qui m'est assez important déjà. Ce qui est important au début, c'est déjà récupérer en fait. Le plus de avoir la plus grande pression possible, je pense. Et là, pour moi, avoir la plus grande pression possible sur la couronne française, c'est d'avoir le plus de duchés possible. Pour l'instant, mes vassaux ne me reprochent pas d'avoir trop de duchés. Renvoyer du conseil, avec des troupes, combattre le duché, ouais, bon. Haute-Bourgogne, Henri des Lions, je pense. Il y a des rébellions un peu de partout, là. Donc c'est bien. Heureusement j'ai pas de Cassius Belli, donc plus de maréchal, d'accord. Et je suis en train de constater en fait que ma technologie militaire avance plus lentement. Est-ce que j'aurai de l'avance? Ouais. 12 plus, voilà, donc ça c'est logique que ça avance vite parce que je suis bon en érudition, en économie. Ça vient en fait de mon Marseille à moi. Je suis en train de constater, donc ça vient de moi-même, donc c'est... Bon, on va quand même lever notre armée. Ça arrive le 4. Mon armée va arriver trop tard pour venir les aider. J'ai dû envoyer 1000 hommes. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. On constate déjà qu'il y a une partie de l'armée qui est déjà en déroute. Donc le temps que j'arrive avec le reste, c'est trop tard. Le temps de rassembler mes troupes a pris trop de temps, voilà. Bon, cette fois-ci, il y a mon armée qui est prêt à aider. Donc d'un côté, c'est pas trop grave. On a perdu certes une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, hein, je vous rassure. 3000 hommes, j'ai quand même... Je dois vraiment être le vassal, je pense, le plus fort quand même d'une dame marque, je pense, là. Je représente 40% des forces du suzerain quand même. C'est énorme. Voilà, gêne. Donc, on va les aider. Là, faut péter l'armée du Saint-Empire. J'ai rien contre eux, mais bon, voilà. C'est un peu mes adversaires quand même. Voilà, on expose le flanc droit. Oh ouais, je dois arrêter de commander. Ouais. Donc on a gagné. Alors lui, il veut quoi? D'accord. Très bien, très bien. C'est pas ma guerre. Berry. Berry aussi, bon bah très bien. Qu'il fasse ce qu'il veut, moi c'est pas mon problème, hein. C'est pas ma guerre.
Donc c'est très bien, voilà. Les Templiers Nouveau-Orbe bien établis, je ne fais pas un petit groupe de richesse, pauvre Templier de Cristal, mais c'est vraiment sympa, je suis Templier, je dirais. Voilà, donc c'est le nouvel ordre sacré qui arrive, hein. Donc l'ordre sacré, voilà. L'ordre du temple, l'ordre hospital, les hospitaliers, le... voilà. Donc si vous êtes en guerre contre une faction en fait qui est... par exemple, contre les musulmans, bah, contre une religion païenne ou une autre... En fait, faut être en guerre contre une personne qui n'a pas religion de votre état. Et vous pouvez utiliser les ordres adaptés, bien évidemment. Chute Berry complètement tordu, celui-là. Voilà. Donc en tout cas, niveau technologie, c'est bien. Ça va. J'étais tempéré. Bon, c'est pas encore trop grave. Et... par contre, j'aimerais bien qu'ils se dépêchent de me... d'avoir des revendications parce que là, je vais peut-être toi faire des cadeaux à mes vassaux, un petit cadeau, voilà, 30. Voilà, comme ça ils me payeront moins tout hors impôt, j'aurai plus de problème d'impôt dans mon... Hey, j'ai quand même beaucoup de prestige là, pour une fois. Je dépense... ouais bon, bah, c'est parce qu'il y a des troupes à moi, c'est pour ça que je dépense. C'est tout à fait normal. Désolé, mais c'est une dure loi ça, mais je garde que les meilleurs dans mon conseil. Donc très bien. J'espère en fait en récupérant Paris. Je vous explique pourquoi je fais ça. Paris déjà me fournira beaucoup de troupes. Il n'y a pas à nier, Paris fournit énormément de troupes. Donc, il y a un côté, c'est pour récupérer les troupes qu'il y a à Paris. Je ne nie pas. D'un autre côté, je veux, et ça c'est une certitude, récupérer la couronne de France. Par quelques moyens que ce soit par... que ce soit par exemple... sous action élective, 80... je comprends pas, 85%. Ça marche en pourcent, j'ai 85% de pouvoir réaliser le truc, pourtant j'ai pas assez de troupes. Bon, ben on est mort, voilà, ça arrive. Donc... ah non. Donc... Empire byzantin. Oh, très bien. Il veut se marier. Je comprends pas. Quoi c'est... ah d'accord, elle a plusieurs enfants, c'est ça si je comprends bien. Et à mes duchés, donc j'ai plusieurs duchés, donc c'est un peu compliqué au début de les retrouver. Je sais, c'est la couronne de Saint-Empire, je ne comprends pas ça. Le duché, c'est qui va y arriver. D'accord.
D'accord, je risque de perdre des duchés, d'accord. Bon, ok, 49 ans, par contre, elle va vite mourir. Donc, comté de Bourgogne, non, 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 j'aimerais donner un duché. Là, par contre, tout le monde va me détester parce que c'est une femme. Par contre, juste... Donc, je dois refaire, c'est pas grave. Par contre, j'ai une forte revendication sur Salerm. Qu'est-ce que c'est cette revendication? Je peux revendiquer Salerm. Pourquoi pas, mais j'ai pas envie. Donc c'est pas possible, donc ça m'énerve. Donc on va faire un truc que je fais pas souvent, mais bon, j'ai pas le choix. Non, je refuse de venir aider. Donc l'héritier assassiné. Donc lui, on va commencer à... Ouais, Berry, ouais, Berry, ce sera le comte de Berry en 1. Donc voilà, je peux lui redéclarer la guerre, lui. Donc voilà. Par contre, ça m'énerve, lui, j'aimerais bien... que je pouvais revendiquer, donc voilà, vous voyez, je viens de me rendre compte maintenant quand même. Par contre, j'ai perdu beaucoup de troupes dans l'histoire, donc c'est vrai. Par contre, j'aimerais bien... Donc voilà, nouveau maréchal, hop. Nouveau maître espion. J'ai toujours des maîtres espions pourris, bon. Donc un nouveau complot contre moi. Donc voilà. Peu connu. Bon. Faut vite que je prenne ce lieu, d'accord.
mon époux est mort. Et même avec... Bon, j'aime pas faire payer, mais ça a avantage en fait de me permettre de vite fortifier mes positions. Comté de Saint-Nois, je pourrais... Pourquoi c'est... C'est qui l'héritier du duché du comté de Saint-Nois, ce prétendant? Bon, tant pis, on va faire avec. On va faire avec, on n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Voilà, on va améliorer encore les écuries, ça fera encore plus de chevaux. Donc richesse, ça marche plutôt bien, faut dire ce qui est. Et ben. Tant pis. Mais bon, je vais rapidement prendre beaucoup de place à Paris, hein, je vais pas vous mentir. D'accord. Le problème, c'est vu que c'est une femme en fait qui a atteint le pouvoir, ça fout un peu le bordel, ils vont pas apprécier, mais... Voilà. Ah, moi j'aurais gagné. Ah non, j'ai perdu. Ah, c'est quoi cette histoire? Ah par contre, là par contre c'est fort quand même. J'ai plus de troupes, je perds. Ça c'est fort. Avec 1200 hommes, j'arrive pas encore. Ah bah voilà, j'ai gagné. Ça me rassure, voilà. Si je repars encore, voilà, c'est un peu de l'aléatoire quand même, voilà. Voilà. Donc Jacques est reconté de Paris. Donc voilà. Baronnie de Montbéliard, je vais le perdre. Duché d'Orient, je vais le perdre. Comté de Bourgogne, je vais le perdre. Comté de Paris, je vais le perdre. Mais comment ça se fait que je perde tout ça? C'est qui les héritiers là? Je comprends pas ce qui se passe en fait. Lui c'est l'héritier. Mais je comprends pas pourquoi je perds tout en fait. Je perds quand même beaucoup de pouvoir et je sais pas pourquoi en fait. Baronnie de Montbéliard, je comprends pas. Pourquoi c'est qui est prêt? Vous voyez, je perds des territoires sans que je sache comment. Il y a Bourgogne, et c'est pas qu'un... Orient, c'est pas qu'un petit morceau. Je ne comprends pas comment ça se fait. S'il meurt, attendez. En fait, ça va être partagé entre les deux. Le mec qui récupère ça.
comté de Bourgogne. J'ai pas envie de donner le comté de Bourgogne. C'est le seul comté que j'ai pas envie de donner. Baronnie de Montbéliard. Au pire. Créer un vassal, comme ça je leur paierai de moins. Duché de Champagne, qui peut avoir? Si je pourrais le donner à lui, ça m'arrangerait. En fait, j'ai envie de donner ça à lui pour qu'il puisse hériter. Lui, il peut. Donc, c'est ça. Et pourquoi lui, il peut pas? Bon. En tout cas, on va s'arrêter là. Je vais chercher un moyen pour que ce... pour réussir à lui donner ça. Donc, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, portez-vous bien d'ici la prochaine fois. Et vive le jeu vidéo.